divertissement. On lui disait tantôt, nous sommes avec Trophy 7. Bonjour, rebonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça va, Trophy? Oui, ça va bien. Trophy. Trophy, Trophy 7. Trophy 7. D'accord. Trophy 7, c'est quoi déjà? C'est un trophée mis à une place spécifique. C'est okay. Ça la signification de Trophy 7. Un trophée mis à une place? C'est un trophée mis à une place spécifique. Super. Ouais. Ça commence bien. Oui, les artistes, c'est ça. Hein. Alors, Trophy 7, de son nom d'état civil Raadumbay Arsène. Ok. Ouais. Qui est là pour nous parler de son parcours, ouais. Mais surtout d'un clip qu'on va regarder tout à l'heure qui est excellemment fait. Merci. Le titre de la chanson, c'est quoi déjà? C'est Serious, Serious Love. Serious Love. Serious Love. Ok. En anglais, clip, c'est Amour sérieux, quoi. Voilà. Amour sérieux, c'est ouais. Ça, ça. Amour sérieux. Allez, on regarde très rapidement et on revient juste après. Trophy, Trophy, mélodie. Ah oui, ça donne envie de danser, ah, on va dire. Je suis Roger, Kotariama. Kotariama, mon amour, c'est ça? Ouais. C'est en ma langue, donc je comprends très bien, c'est en ça. Normalement. Ben voilà. Trophy 7 qui n'a jamais vu ce genre de love et a surtout de la couleur dans ce clip. Très très bien fait, bravo déjà. On va en parler. Un beau clip, hein. Mais avant, Madi, on a aussi de la couleur sur ce plateau. Hein. Bah oui, de la couleur avec Olive. Hein. Ça c'est pour les effets mérides. Olive. Bonjour Madi. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Hein. J'ai envie de dire que tu es la vraie tchadienne ce matin. Bah oui, je suis une patriote. Nous on est venus, on a cassé les couleurs là avec du noir, du bleu. En tout cas, c'est très 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 joli. Le bleu, le jaune et le rouge. Ouais. Bonne fête. Les couleurs tchadiennes. Bonne fête de la proclamation de la République, spécialement à toi ce matin. Merci. Sept. On revient à vous. Okay. Vous avez fait un très beau clip. Merci. Ça a été un travail acharné. Ouais, comment vous êtes pris pour réaliser ce magnifique clip que moi j'adore? Merci, merci, merci pour l'appréciation. Oui. Le clip s'est déroulé avec beaucoup de pression, vu que je n'étais pas d'abord préparé à ce genre de boulot avant, mmh. Avec le réalisateur Nit, que j'apprécie beaucoup. Mmh. On a beaucoup cherché des sites. C'est d'abord, le fait de chercher les sites m'a déjà fatigué. Et le fait aussi de ne pas réaliser un clip de ma vie pour la première fois, ah, ça, oui. C'est le tout premier clip. Oui, c'est le tout premier clip. Oui. D'accord. Et voilà. On l'a fait malgré... Et finalement, vous l'avez tourné où, le clip? On l'a tourné devant le fleuve vert Bakara, là-bas. Ah, c'est beau, hein? Mmh. On dirait sur une plage. Oui. Ouais. Oui. En tout cas, ça a été bien trouvé, le site. Oui. Pourquoi avoir misé sur ce clip-là? Parce qu'on sent que c'est un investissement. La qualité de l'image y est pour un artiste qui n'est pas encore connu. Oui. Pourquoi? Et jeune. Pourquoi? Jeune talent. Bon, moi, j'ai un fardeau. Quand on parle de la musique tchadienne, c'est un fardeau pour moi parce que quand je vois, déjà, je suis les clips sur Trace et sur les réseaux sociaux, je suis challengé et je me dis, mais pourquoi pas un tchadien? Parce que ce secteur-là, je vois que c'est les jeunes négligent. Et je dis, mais pourquoi ne pas s'investir et aller dans ce sens? Et c'est avec ce rage-là que je suis parti et on a pu réaliser ce clip. Un clip de très, très bonne facture. Voilà. Et après, quelles sont les attentes après ce travail? Voilà, l'attente, c'est que les gens consomment vraiment de la bonne musique sur le plan national, mmh. Et que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas seulement de la médiocrité au Tchad. Les bonnes choses peuvent sortir aussi de ce pays. Et vraiment, l'attente, c'est booster aussi les jeunes avec ce clip-là. Est-ce qu'il est bien accueilli? Est-ce qu'il est bien regardé? Les nombres de vues? Ouais, super. Ça me va parce que c'est un tout premier projet. Et voilà, il y a de l'engouement derrière. Il y a de... Voilà, je suis satisfait. Un chiffre peut-être? On est à combien de vues sur YouTube? Bon, on tend maintenant vers 4000. 4000, ouais. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal déjà, oui. C'est pas mal. Okay. Et déjà que nous, on vous jette des fleurs ce matin. Ouais, merci. Recevez comme on dit, quoi. Merci beaucoup. C'est beau, là. C'est beau. Quel est votre style musical? C'est de l'afro urbaine. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Bon, on le sent un peu, hein, tu vois. Oh, ouais. C'est, je pense que c'est la tendance du moment. Justement. Les jeunes adorent ça. Merci. Voilà, ça fait danser et puis voilà.
Alors, Trophy 7, des projets, est-ce qu'il y a un album derrière? D'autres chansons? Il y a d'autres chansons et là on évolue encore comme nous sommes à nos débuts. On évolue en single pour se faire connaître et puis voilà, on va entamer avec les albums après. Est-ce que l'artiste se fait aider à une équipe derrière, une production? Ouais, normalement parce que là je suis dans un label, One Wealth Entertainment. Okay. Je suis dans un label, donc il y a toute une équipe qui m'accompagne. Une équipe qui vous accompagne. Ouais. D'accord. Les plus grosses difficultés auxquelles vous vous heurtez, c'est lesquelles? Les difficultés, elles sont nombreuses, mais si le travail progresse, c'est l'essentiel. Si on se met à... Il est confiant. Il est confiant et positif. Positif, c'est très important. Très important. Merci, hein, Trophy. On n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, mais okay. Ce peu de temps est merveilleux, honnêtement. Merci. C'est merci. Très beau. Déjà, moi, j'ai aimé le clip. Parfait à aimer. Ouais. Olive aussi, hein. Ah, c'est oui, bien pour la... Bien sûr. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et une autre fois, bien sûr. Merci.